crois qu'on a un problème. Malgré tous les efforts d'Advent, il y a toujours des gens qui refusent ces mensonges. Il est temps de leur dire qu'ils ne sont pas seuls. Nous avons déjà une cible pour notre première opération. Monsieur, étant donné notre position, le Mercure ne pourra jamais franchir une telle distance. Est-ce que quelqu'un a parlé du Mercure ? Shen, au rapport, est-ce qu'on est prêt ? Pour faire court, oui. Mais je vous conseille à tous de bien vous accrocher. Sur l'Arctique, secteur 1. Nous sommes prêts à l'action, commandant. En frappant Advent partout où nous pourrons, nous renforcerons la résistance. En échange, elle nous fournira du matériel et des hommes pour nos opérations. Commandant, je crois que Shen nous a préparé un medikit. Nous devrions en fournir un à un de nos soldats avant son déploiement. Eh bien bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Toxor, je suis très content de vous retrouver pour ce troisième épisode de XCOM et enfin un épisode avec, eh bien vous, les abonnés, puisque oui, enfin, on a notre première escouade de 4 avec 4 abonnés. Donc bien sûr il y a eu des blessés dans la mission précédente qui n'ont pas pu intégrer cette escouade. Mais de toute façon ça va tourner, hein, entre les morts, entre les blessés, etc. Il y aura un roster, ça va tourner au fur et à mesure. Donc ne vous inquiétez pas. Ouais, peut-être déjà s'équiper comme demander. Attendez. Modifier. Équipement. Et medikit, voilà. Je vais équiper ce soldat d'un medikit. Et puis, eh bien, on est parti pour lancer la mission, les amis. Hop, on va créer quelques-uns. On n'est jamais mieux servi par soi-même, j'ai envie de dire, voilà. Équiper. Et medikit pour lui aussi, voilà. Pas d'autres armes pour l'instant. On va lancer la mission telle qu'elle, les amis. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti. Et le vaisseau démarre sur le lieu de mission, les amis. Commencez la mission. On nous a signalé qu'Advent stockait des données essentielles à la dernière opération extraterrestre. Et nous avons localisé un terminal vulnérable que nous pourrions utiliser pour accéder à leur réseau. Mais il se trouve à l'intérieur d'un de leurs bâtiments. On ne peut pas attendre. On va donc attaquer la cible. Neutraliser toute résistance hostile dans les environs et sécuriser la zone. Il nous faut ces données si nous voulons pouvoir enrayer leur progression. D'accord. Eh bien, on va y aller sur ce zone de mission. On va essayer de voir un petit peu comment ça se passe. Enfin, une zone urbaine. Zone urbaine, ça peut vraiment être à double tranchant. Hein, attention. Ici le Talion. Le point d'accès que nous cherchons est droit devant. Vous devez sécuriser la zone, mais l'ennemi va résister. Donc, comment vous dire ? J'ai la vie d'abonné entre mes mains. Ça va être extrêmement délicat, je vous assure, pour moi, de prendre des initiatives, je pense. Me dire, bon, si je fais ça, peut-être qu'il va mourir, etc. Non, franchement, là, si vous mourrez, les amis, je suis désolé, vraiment, ne m'en voulez pas. Hein, mais vous ne serez pas mort pour une cause mauvaise, vous serez mort pour la bonne cause si vous mourrez. On va vraiment faire très attention, je vous promets. Votre vie en dépend. On va avancer prudemment, il n'y a pas de temps. Donc là, on n'a pas de tour. Ah si, on a des tours quand même. Ah, dis donc. Je ne savais pas qu'on avait un nombre de tours pour accomplir la mission.
prendre un petit peu des risques alors. On n'a pas vraiment le choix, si vous voyez ce que je veux dire. Bien, fonce. Eh bien, fonce, mon ami, fonce. Comme dirait l'autre, nous n'avons pas le choix. On a 8 tours pour avancer. Eh ben, c'est ce qu'on va faire. On peut pas monter là, c'est triste. Hop, en vigilance. Le tour des aliens maintenant, les amis. Autour de nos amis. Je confirme. De nos amis, les aliens. Personne ne s'est jamais demandé comment fonctionnaient ces usines. Il en sort de la viande, mais on n'y voit pas de bétail y entrer. Ok, ils bouffent des êtres humains. Comment je fais pour monter? J'aimerais particulièrement monter, je vous le cache pas. Est-ce qu'on peut monter? Je sais pas comment je peux monter, honnêtement. Sur console, je vous aurais peut-être dit. C'est pas grave. Je vais me mettre aux fenêtres. Hop. C'est peut-être risqué de se mettre aux fenêtres. Hein. C'est vrai. C'était un poil risqué quand même. Je ne sais pas comment monter. Si vous le savez, dites-le moi en commentaire. Je serais relativement curieux de savoir comment on fait. Activité extraterrestre. On voit rien du tout, j'ai envie de vous dire. D'accord, j'ai compris. Comment monter? Je suis sur le coup. Je vais juste de bouger la molette. En haut, on a sûrement une meilleure prise, je pense. Compris, j'y vais. Dans le sens. Commandant, présence du point d'accès vulnérable confirmé. Dans le sens où quand vous êtes en hauteur, vous avez reçu 5 sur 5. Un avantage sur votre adversaire. Je pense que ça on le sait tous, plus ou moins. 6 tours, hein, c'est pas beaucoup. Hein. C'est pas beaucoup. J'ose pas rentrer, franchement, j'ose pas rentrer, je vous le dis, hein. Je connais pas, j'ose pas rentrer, quoi. Bien reçu. Tout de suite. Je me dis que peut-être dedans, je suis repéré si je rentre, quoi. Le problème, c'est qu'on est un nombre de tours assez limité, finalement. Je vais peut-être attendre encore un tour pour voir comment ça va se passer. J'y vais tout de suite. Hop. J'ai jamais aimé le passe en vigilance. On n'a pas d'ennemis en ligne de mire, quoi. Pour le moment. Prochain tour, je lance la grenade. Dès que j'ai une grenade de hub, je lance. Allez, c'est parti. Je sais pas où je vais viser, hein. Explosion ! Voilà. Couverture compromise. Repéré. Vigilance. Vigilance aussi. 3 tours, hein, j'ai mis 3 tours. Le réseau d'Advent sera bientôt complètement verrouillé. Le temps presse. Foncez au terminal. Est-ce qu'on peut... On peut pas sauvegarder, ça c'est bon signe. Bon, bah tant pis, hein. On peut y aller. Hein. Choix. Si c'est pour que ce soit compromis, autant y aller. Hein. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Compris. Allez, c'est parti, 3 tours.
pour pénétrer dans le bâtiment. C'est tout bon. Vous êtes des hommes. Vous êtes des vrais soldats, les amis. Les abonnés, vous êtes des vrais soldats. Vous n'avez pas peur. Vous allez pour votre pays. Même pas pour votre pays, pour la nation complète, pour la nation Terre, les amis. Vous y allez pour sauver l'humanité. C'est une cause digne, hein, c'est vrai. Hein. Ok, ça vient de là-bas. Ça vient de là-bas. Pas d'inquiétude à avoir. Ouvrir. A priori, y a rien. Je dis ça, je dis rien. Reçu, je bouge. Je vais me mettre en vigilance avec elle. Avec lui, pardon. J'ai cru que c'était une femme. Il a tellement de tête de femme que. Bien compris, j'y vais. Je vous ai pas vraiment touché les abonnés. Hein. Je vous ai pas retouché. Hein. Vraiment, je vous mets les têtes qu'ils ont normales, quoi. Voilà. Allez, c'est parti. Ça sent pas bon. Hein. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi ou pas, mais ça sent extrêmement pas bon. Une fois qu'on aura piraté ce réseau, j'ai peur. J'ai vraiment peur, les amis. Un jeu d'enfant. Menace 1-5. Acquisition des fichiers d'Advent confirmés. Ça vient de là-bas, j'ai l'impression. De la droite. J'ai l'impression. J'avance. Il y a plus de temps. Enfin, il y a plus de. Il y a plus de. Chut, j'ai entendu du bruit. Comment dire? Ok. Force d'Advent sur le champ de bataille. Il y a plus de tour. Hein. Oh, il a tout raté. Oh, il a tout raté. Allez, on se reprend. J'ai raté la cible. On a absolument tout raté. 58%. On peut essayer de se le faire. Raté. C'est pas grave. C'est pas grave qui est là. T'inquiète pas. C'est pas parce que t'as raté que t'es nul, hein. C'est pas de ta faute. Allez, à toi mon petit. GG, tu l'as tué, c'est bien ça. Thomas. Bien joué Thomas. On a eu un. Promotion en plus pour Thomas. Félicitations à toi mon petit. 34%. Hop, mettons en vigilance. Vigilance orange, les amis, aujourd'hui. Position confirmée. Pareil, vigilance. Bien, 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 bien. Il nous a raté, c'est bon signe. Je préfère qu'il nous rate. Hein. On est d'accord. Elle a pas peur, hein, la petite. Hein. Elle a absolument pas peur. 38%, ça me paraît un peu geste. On va rester en vigilance. Position confirmée. Pareil, vigilance. Vigilance. Toi, tu l'as, 34%, ça me paraît un peu. C'est léger, 34%. Hein. On est d'accord, vigilance aussi. Je reste en observation. Toi, tu l'as à 26, c'est encore plus light. Prends pas le risque, ça sert à rien, mets-toi là au pire. Tu l'as à 50%, ah on peut tester, Anibris. Une chance sur deux, voilà, bien joué. Félicitations, tu l'as tué. Ennemi abattu. C'est pas les dernières cibles, je pense pas, hein. Doit en rester. Je ne sais pas où ils sont. Je rejoins la position. Vigilance. Hop. Je couvre la zone. Pareil, j'ai envie de dire. Vigilance. Bien sûr, je bouge. Un sacré déplacement, il nous a fait le petit là. On va essayer de ramasser. Chargeur amélioré avancé. Ça c'est pas mal, ça augmente un petit peu les.
capacité des flingues. J'y vais tout de suite. Hop, on se replanque, on sait jamais. On n'est jamais trop prudent. Je sais pas ce que vous en pensez. Tant de vigilance de ce côté-là du mur là. Hop. Scan en cours. Toi tu vas aller du côté de là. J'y vais. J'ai toujours Thomas, excuse-moi, mais je prends toujours pour une femme. Hein. Avec tes cheveux longs, c'est vrai que c'est un peu perturbant. Je suis navré. Ah. Qu'est-ce que c'est que ça, les amis? Ça m'a pas l'air très très gentil. En vigilance. Compris. J'y vais. Activité extraterrestre. Ça vient d'où? Ouh, ils viennent de l'autre côté. Ça vient de l'autre côté. Ça vient de l'autre côté, les amis. Qu'est-ce qu'on fait? On essaie de pas se surprendre en tenaille. Ça serait pas mal. On va essayer de progresser ensemble. Dans un premier temps. On fait pour bouger la caméra. Voilà, comme ça. Ça m'a pas l'air d'être très, très sympathique, ça, là. Allez, gros risque pour Thomas, c'est un guerrier. De toute façon, on le sait. Hein. Thomas, c'est le guerrier de la... C'est la base. Hein. Oh, putain, ils sont dessus. Oh my god, on est vraiment dans le caca, là. On est vraiment dans le caca. Toi, t'as combien de pourcents sur le 63? T'es pas très bien couvert, hein, ça c'est sûr. Donc on va peut-être te rebouger d'endroit. J'ai pas envie de te perdre, mon coco. Je vais te mettre là. Tant pis si on saute un tour pour tirer. C'est pas grave, je préfère que tu sois en vie. Hop, là c'est lui. Ah, mieux ici. 80%, il pourra tirer sur lui au moins. Oh, il l'a raté. Oh, ce drame. Il est là, lui. Hein. Le fumier, là. Il va réveiller le mort, là. Aïe. Il va le réveiller, vous allez voir. Et voilà. Aïe, on est dans le caca, dans le pétrin, les amis. Réanimé. Ah, ils vont se planquer, ils nous ont pris au dépourvu là un petit peu. Hein. Ouf, t'as pris cher, mon petit. Hein. Aïe. Je sais pas trop dans quel sens me mettre là, c'est tellement tant d'axes. J'ai un 68% sur lui, je vais le prendre. Je prends le risque. 3 points de dégâts, c'est trop peu. C'est trop peu. Envoyez des munitions. Aïe, il a raté. Ouh là là, ça va être chaud. Ça va être très tendu, les amis. T'es sur la réserve, t'es surtout en train de mourir, en fait. C'est ça, le truc. Allez, mettons en vigilance ici. 71, ah c'est pas mal. On va peut-être l'avoir. Oh là là, lui il a vraiment la grosse arme. Hein. Lui il rigole pas quand il tire. Ennemi détruit. Il fait pas semblant. Mais c'est bien, j'aime pas quand ça fait semblant. C'est pas bien. Là on a un petit peu découvert qu'on va se mettre là. Surtout qu'il est vraiment endommagé, le pauvre. Je passe en vigilance. Allez, c'est parti, vigilance. Vigilance rouge, hein. C'est un peu le cas. Il nous fait.
Contrôle mental. Donc faut, en gros, faut tuer assez rapidement l'autre, hein, sinon on est dans la merde. Raté. Il est en contrôle mental, c'est-à-dire qu'il faut tuer vraiment à tout prix cet alien. Ouais, sort vite de sa tête. Ça serait pas mal. Bien reçu. En route vers la cible. Quatre points de dégâts, c'est pas beaucoup, hein. Faut l'allumer. Mon arme est vide. Ton arme est vide. Non, il reste encore un peu de munitions. Tu vas me faire plaisir de te cacher. Et recharger. On peut y aller. 50%. Un petit medikit quand même. Tu vas t'en sortir. Ouais, le petit medikit qui fait du bien. Et l'attaque sur l'alien. Et non pas sur ton copain. Ça serait méchant. Yes! Ah, raté! Merde! Je pensais qu'on l'avait touché. J'ai oublié de recharger, c'est vrai. Oh putain! Oh non! On a perdu quelqu'un. Je crois que c'est Thomas qui est mort. Je crois qu'on a perdu un soldat. On a dû perdre Thomas sur une explosion. Je ne sais pas trop d'où elle sortait, cette explosion. Hein. Je ne veux pas vous le cacher. On est un peu pris en sandwich. Hein. Légèrement. La recharge, si tu veux, je te dis. C'est bon. Pop. 70, on va essayer de tuer lui. C'est bon, on l'a eu. Un de moins. Menace éliminée. Faut vraiment tuer Stalien en fait, hein. On a plus de munitions, donc c'est un peu la merde. Je suis obligé de recharger. On peut y aller. 38%. Je prends le risque, hein, tant pis. Je l'ai pas eu. Je l'ai pas touché. Aucun dégât. Il va faire mal. Il va faire mal. Ah là là, on a perdu un homme. Ah là là. Je perds tous mes soldats. C'est vraiment la misère. On a perdu un nouveau soldat. Il tourne autour de moi. Ouf, raté. Heureusement. Faut vraiment que je le bute, lui. Hein. Faut vraiment que je le fume, hein, celui-là. C'est affreux, là. Commandant, nous avons l'objectif. Nous subissons de lourdes pertes. Nous devons envisager d'abandonner la... Non, on n'abandonne pas. On a des hommes qui sont morts sur le champ de bataille. On va pas abandonner. Surtout qu'il reste plus qu'un. On va le fumer. On va l'avoir. C'est bon. On va le fumer, cet enfoiré. Voilà. On l'a fumé. Menace 1-5, statut confirmé. Tous les ennemis sont morts, la zone est sécurisée. Menace 1-5, statut confirmé, mission accomplie. On a quand même perdu 2 soldats, les amis. 2 abonnés sont décédés dans cet épisode. Navré pour eux, vraiment, je suis navré. On fera une liste, hein, bien sûr, des abonnés décédés au fur et à mesure de la vidéo, enfin des vidéos. Le plus gros dégâts pour Kayla. Le plus offensif Kayla.
L'ennemi qui a pu viser, c'était Kayla, et le plus long déplacement, c'était Thomas. Thomas, qui me semble-t-il, est mort. J'ai dit une bêtise, mais... semblerait-il que Thomas soit décédé. Eh oui, le jeu est dur. Le jeu est très punitif. C'est la vie des kiwis. Spider et Aguirre ont été tués, les amis, lors de leur toute première mission. Comme leur nom l'indique, les tireurs d'élite attaquent l'ennemi de très loin avec une grande précision. Ils sont aussi entraînés au maniement du pistolet pour le combat rapproché. Ça, c'est du lourd, ça. Ça, c'est extrêmement lourd, ça. Les tireurs d'élite. On a récupéré quelques petits objets. Que nous avons de l'aide, nous pouvons évacuer le vieux matériel et les débris du vaisseau pour construire une autre installation. Ok. Est-ce que je peux peut-être sauvegarder? Je sais pas si j'ai... Voilà, sauvegarder. Je vais sauver... Oh, j'ai pas mal de sauvegardes, dis donc. Je savais pas que ça sauvegarde automatiquement. Bon, c'est pas grave. Hop. On va l'appeler Monsieur Oxor HD Abonné. Team Abonné, pardon. Tiens, abonné. Ah, voilà. Je confirme. Hop. Et puis moi, je vais vous laisser là, les amis, pour ce premier... Enfin, non, pas premier. Mais si, premier épisode, bien sûr, si. Premier épisode avec les abonnés. En tout cas, parce que les deux premiers étaient pas avec les abonnés. Là, c'est avec les abonnés, cette fois-ci. On a eu deux pertes. Je suis totalement navré. Donc, les épisodes varieront. Hein. Ça dépendra des missions, la durée des missions, etc., etc. Je ne peux pas vraiment vous le dire, hein, puisque je ne connais pas le jeu. Mais ce peut qu'il y ait des missions qui durent très longtemps, d'autres moins. Donc voilà. Je vous fais plein de gros bisous, les amis. On se retrouve très vite pour la suite de cette magnifique aventure XCOM 2. Bye bye tout le monde. Ciao.